Alors aujourd'hui, on va faire une recette pour les Jones. Plancha, qui dit plancha dit barbecue, dit aussi burger. Donc on va vous faire des burgers tout simples avec du cheddar. Nous sommes en Vendée, donc je vais mettre du jambon de Vendée. Nous allons réaliser notre sauce barbecue. Donc mayonnaise, maison, bien ferme. On va être généreux. On va faire 200 grammes. Ensuite de la sauce Sakari. Environ 70 grammes de la sauce barbecue. Alors barbecue classique, trait de vinaigre. Du cognac. Juste un trait, hein, 2 centilitres, ça suffit. Alors, cognac ou whisky, hein. Donc là, aujourd'hui, j'ai mis du cognac, mais on peut mettre du whisky. Et du piment d'Espelette pour relever. La signature du chef. De l'aneth. Alors, si vous avez de l'aneth fraîche, bien sûr, vous pouvez mettre de l'aneth fraîche. Sinon, de l'aneth séchée, ça convient parfaitement également. Ça va donner ce petit goût un petit peu sympathique. On va goûter cette sauce. Voilà, tout simple, un plancha pas trop chaud, de plancha à 200 degrés, ça suffit largement pour faire cuire des oignons. Donc là, on va cuire la viande. On va toaster les beignes. Un petit peu de tomate. Hop. Okay.
Les burgers, ça va très vite. Si on n'a pas tout sous la main. Voilà, donc on va baisser un côté. On va mettre un petit peu de sauce sur le bun. Que je me trompe pas. Sur le fond. La tomate qui est juste. Ensuite, on va mettre le steak. Le jambon. C'est juste histoire de le faire piédir. Les oignons et les cornichons. Et la salade en dernier sur le dessus, parce que si vous mettez la salade en dessous, elle va être cuite. Voilà, on répartit. Un peu de sauce, donc sauce barbecue maison, avec de la mayonnaise maison, du Jack Daniels, du ketchup, de la sauce basque Sakari et de la sauce barbecue classique. Là, faut quand même faire vite parce qu'après les toasts, les burgers, les buns risquent de brûler un peu. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? C'est bon? Ça a l'air bon, hein. Voilà, bon appétit et il n'y a plus qu'à faire les frites.